S.A. Blanchette et je vais me retrouver sur Saint-Georges. Il y a location de linge. Tout ça, bien sûr, c'était la Blanchette. Les vestiges de ce qui reste de la Blanchette. Qui reste et ça va pas rester bien longtemps sans doute, et c'est quand encore une usine, parce que c'est, on va voir ça plus près, on va comprendre que c'est les produits ovales. Je vais te faire engueuler, je vois des gens qui marchent là-bas. Bonjour messieurs, bonjour. Alors c'est quoi l'usine là, s'il vous plaît? Roval. Oui. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi ça, Roval? Ça fait quoi? Ils font de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne? Ah, oh, ben ça sent bon. Oui. Ah, ben c'est. Cologne est en haut, l'eau de Cologne, et là, du dissolvant en bas. Ah bon? Ah, c'est pas pareil ça. Non. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Voilà. Oui, merci. Vous passerez sur TF1. Merci, hein. C'est gentil. Et là, on arrive sur la route de Saint-Georges, et c'est terminé. C'est-à-dire que toutes les usines de la Blanchette, ben c'était tout ça. Même les employés qui sont tout de suite chez Roval, ils ne savent même plus. Bon, maintenant, on va mettre des photos anciennes. Bon, te sauve pas, hein. Sage et filature de la Blanchette. Vous voyez les ouvriers qui arrivent à pied, bien sûr, à cette époque. Et je vais en dessous. Alors, en dessous, c'est l'usine de... Tissage et filature Frémont. Frémont. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, ça n'a pas d'importance. C'était à Flers ou... Tissage Patrie. C'est ce que je crois comprendre, c'est dans la vallée de la Vère. Et on a du vent. Tissage Le Tremblay. Alimenté par la Vère. Oui, 1882. Alimenté par la Vère, oui. Le métier jacquard. C'est sûrement le point jacquard ou... Métier jacquard. Et maintenant... Filature c'est... de la Blanchette, la salle des cardes. Ouais, vous voyez un peu comment les gens étaient habillés à cette époque. Tire de la Blanchette, salle des batteurs. En dessous aussi, salle des batteurs. La tire de la Blanchette, les bancs, à broche. Alors en haut, c'est... tissage mécanique du parc, Ourdissoir. Oui, je sais qu'il y en avait une usine aussi au parc. Alors aussi, tissage mécanique du parc, une pareuse. Une pareuse. Usine du Tremblay, fabrication des trames. Oh, allez, bon. C'est impressionnant. Mmh. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et en dessous, tissage de la Blanchette, salle de tissage. Usine du Tremblay, salle de tissage. Usine de la Blanchette, métier jacquard. Tissage du parc, machine à teindre. Usine du Tremblay, salle de l'après. Oh, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a comme travail à Flair. Dans une confection, rue des Rivières. Eh bien, on vient de montrer pour leurs jambes. Tout était caché à cette époque-là.
Et en dessous ? Bureau et magasin de Maurice Duguet. C'est dans Flair, ça. Oui. Et magasin de la SGTF. Oui, c'est les grands bureaux. Hein. Oui, des sociétés de tuissage, oui. Et en dessous, une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est à Flair, sans doute. Oh oui, oui, oui.